C'est ta main qui se perd dans ma main. Au loin, ton rêve qui se réveille dans le mien. Toujours, jusqu'à mon dernier jour. Always, c'est mon cœur qui demande à vivre. Always, l'éternité de nos souvenirs. Dieu sait combien de temps je pourrais te dire l'amour qui manque à la vie. Te dire encore je t'aimerai aujourd'hui. Oh, toujours bien au-delà de la vie. Te dire always, pour que jamais tu n'oublies. Always. Eh bien, bonjour. Donc après ce court extrait de cette très belle chanson de Monsieur Hallyday, on va évoquer ensemble donc ma proposition d'accompagnement dans le cadre de cette vidéo. Je vous rappelle, un outil d'accompagnement, une chanson. En l'occurrence ici, je vais vous proposer une rythmique. Ceci étant dit, la version chantée que vous retrouvez en version club, eh bien, est proposée avec deux rythmiques et un arpège. Mais pour débuter, c'est bien d'avoir quelque chose qui fonctionne tout le long du titre et qui soit bien carré, bien structuré, bien structurant. Pour cette chanson, je vous propose une rythmique qui va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. À faire tout le long. Attention, quand vous allez aller voir la tablature sur chanson et guitare, la notion de demi-mesure est justement représentée par ce 1, 2, 3, 4. Donc, par exemple, lorsqu'il y aura un sol complet, une mesure complète de sol, on le fait deux fois par mesure. Donc c'est une rythmique qui va fonctionner tout le long du titre. Je vous fais un extrait chanté très rapide et ensuite eh bien, on parle ensemble, on va le faire ensemble, une partie bruitage et quelques accords. Allez, c'est parti pour une version chantée avec cette seule rythmique. Always, c'est ta main qui se perd dans ma... Always, ton rêve qui se réveille dans le mien, toujours et jusqu'à mon dernier jour. Always, c'est mon cœur qui demande à vie. Always, l'éternité de nos souvenirs. Dieu sait combien de temps je pourrais te dire l'amour qui manque à la vie. Te dire encore je t'aimerai aujourd'hui. Oh, toujours bien au-delà de la vie. Te dire always, pour que jamais tu n'oublies. Bien, une seule rythmique, 1, 2, 3, 4 et tout le long, et ça fonctionne très très bien. On va donc faire un peu de bruitage ensemble, quelques accords, et ensuite vous aurez un titre à votre disposition pour votre prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Donc c'est une rythmique que l'on va compter 1, 2, 3, 4 et. Sur le temps 1, on prend le haut des cordes. Sur le temps 2, on va prendre plutôt en bas des cordes. Sur le temps 3, au milieu, et le temps 4 et en bas. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et. On est parti ensemble. 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1.
C'est parti pour trois accords en boucle, sol, do, ré. 1, 2, 3, 4 et do, 2, 3, 4 et ré, 2, 3, 4 et sol. Sol, do, ré en boucle. C'est parti. 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et do, 2, 3, 4 et ré. 4 et sol, 4 et do, 4 et ré, 4 et sol, dernier do, 4 et do, 4 et ré, 4 et sol. Et bien voilà, j'ai rempli mon contrat, une chanson, un accompagnement. N'oubliez pas que cette rythmique 1, 2, 3, 4 et est à faire deux fois par accord. Si vous allez sur chanson et guitare, vous allez voir qu'il y a le do en demi-mesure et le ré en demi-mesure, le ré 7. Eh bien, il faut comprendre que pour le do, on fait une seule fois 1, 2, 3, 4 et. Pour le ré 7, 1, 2, 3, 4 et une fois. Et pour le sol, il faut le faire deux fois. Tout ça, c'est expliqué de toute façon sur la page de présentation. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chanson, un nouveau titre et toujours dans la même logique. Une chanson, un outil d'accompagnement. Ici, c'était une rythmique. Vous retrouverez sur chanson et guitare un accompagnement un peu plus complexe, à savoir un arpège et deux rythmiques. Mais pour débuter, 1, 2, 3, 4 et pour cette très belle chanson, ça fonctionne parfaitement.